Là, je veux parler du CNRD. Voilà. Vous pouvez euh, diffuser largement aussi. C'est très important. Mes chers compatriotes, euh, le peuple de Guinée, je vous appelle à la mobilisation. J'appelle à tous les blogueurs, à tous les activistes de la République de Guinée. J'appelle au peuple de Guinée, la société civile. Tout le monde doit se mobiliser. Actuellement, nous sommes arrivés à un moment où vraiment, nous ne pouvons plus accepter que le CNRD continue à gouverner la Guinée. En tant que responsable, en tant que citoyen, un Guinéen, quelqu'un qui se dit citoyen guinéen, il ne doit plus accepter que le CNRD continue à gouverner la Guinée. Parce qu'il y en a de trop. Mes chers compatriotes, c'est fini. Les carottes sont cuites pour le CNRD. Donc. Là actuellement, nous avons vu la manipulation. L'électricité qu'ils veulent faire revenir avec le bateau de Al-Barak, je ne veux pas entendre un Guinéen qui se dit Guinéen, quelqu'un qui est Guinéen, qui va dire vraiment que Mamadi Doumbouya a fait quelque chose de bien. Parce qu'ils ont tout détruit. Mamadi Doumbouya. Et le CNRD, ils n'ont plus rien à faire en Guinée. Et là maintenant, nous allons demander à l'opposition guinéenne de ne plus collaborer avec le CNRD. Il n'y a plus de dialogue possible. Maintenant, c'est-à-dire que c'est nous qui demandons aux partis politiques, aux leaders politiques, à la société civile, il n'y a plus de dialogue possible. On ne peut plus accepter l'inacceptable. On ne peut plus accepter l'inacceptable. Wuriba, ça va? Ça fait longtemps là. a dans la depuis la Côte d'Ivoire. Merci. C'est-à-dire, on ne peut plus accepter l'inacceptable. Mamadi Doumbouya, il ne peut pas continuer. Son gouvernement, le CNRD, on n'a plus besoin de ce gouvernement. Parce qu'ils nous ont montré toutes les couleurs. Mohamed Biavogui, le premier Premier ministre, il n'a pas pu. Il a poussé, il a foncé. Après, il, il s'est dit que s'il ne se, se retire pas, ce n'est pas bon pour lui. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Bernard Gomou, incapable. Incapable, ils l'ont retiré, ils l'ont enlevé, ils ont dissous le gouvernement. Là maintenant, Baouri, c'est-à-dire, moi je ne pouvais pas imaginer que Baouri n'avait pas. C'est-à-dire, c'est un appel là, excusez moi. Moi je ne pouvais pas penser que Baouri pouvait accepter ce qu'il est en train de faire. Se ridiculiser. Devant l'Afrique, devant le monde. À cause, de, à cause de quoi Il a été nommé Premier ministre. Ok. La Guinée avait besoin d'un changement. La Guinée avait besoin d'un de, 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 dialogue, de, de, dialogue inclusif. La Guinée avait besoin de paix, de réconciliation. Lui, il arrive en tant qu'intellectuel. Même s'il si nous dit qu'il ne va pas. Qu'il ne veut pas vraiment, euh, comment dirais-je, trahir le CNRD, mais nous ne pouvons pas imaginer qu'il peut trahir la Guinée aussi. Donc, on peut dire que c'est de la politique. Donc, on l'accepte. Il va essayer de jouer ses cartes pour voir si les choses vont changer. Si ça ne change pas, il démissionne. Mais là, maintenant, du moment que Bahour ne démissionne pas, il continue à foncer. Quand il avait dit que la priorité, quand il a été, euh, comment dirais-je, quand il, a été, quand il a été nommé comme premier ministre, la première des choses qu'il avait dit, c'était l'électricité. Parce qu'il y avait le mois de Ramadan qui arrivait et il n'y avait pas d'électricité. Et ce n'était pas possible de gêner sans l'électricité. Parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans l'électricité. Et en ce moment, les citoyens guinéens étaient en colère. Et Baouri a dit priorité électricité. Le bateau qu'il avait dit qu'il allait venir en 17 jours, que le bateau allait coster à Conakry, pour qu'on ait de l'électricité de Conakry à Kindia, il avait assuré ça. Quelques jours après, c'est le porte-parole, Usuf Falima, qui est sorti dire, démentir cela, dire que c'est faux, que c'était archi faux, que, que, que personne n'avait dit ça. Donc aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui dit que le bateau est arrivé encore à Conakry. Il y aura de l'électricité maintenant à Conakry. Maintenant, ils vont faire un autre système avec les cartes, euh, comment dirais-je, de recharge. C'est-à-dire, vous rechargez, vous avez de l'électricité. Maintenant, ce sera quelque chose de numérique, quelque chose de contrôlable, ainsi de suite. Mais tout ça, moi, je veux vous dire, tout simplement, à tous les Guinéens, je dis, ne vous réjouissiez pas, que personne ne se réjouit sur ce que le CNRD est en train de faire. Ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du CNRD. Parce qu'ils nous ont démontré par A plus B. Ils ne sont pas propres. Ils nous ont démontré par A plus B qu'ils ne veulent pas être propres, qu'ils ne veulent pas organiser des élections transparentes. Les élections, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est comment gérer le pouvoir, comment durer au pouvoir, comment, comment incarner la dictature, comment neutraliser les Guinéens. C'est tout ce qui intéresse au CNRD. Mes chers compatriotes, nous qui sachons que nous sommes des Guinéens, à 100% des Guinéens, on ne va pas accepter l'inacceptable. Voilà. On ne va pas accepter l'inacceptable. Vous avez fini la trahison parce que vous ne pouvez plus trahir le peuple de Guinée. Vous êtes arrivé au plafond parce que personne ne vous croit maintenant. Nous maintenant nous en tant que peuple citoyen, c'est nous qui demandons maintenant à la société civile de ne plus dialoguer avec vous. C'est nous qui demandons, maintenant c'est nous qui réclamons l'opposition guinéenne de ne plus dialoguer avec vous. On ne veut pas. On ne veut plus de dialogue avec le CNRD. Pour nous au jour d'aujourd'hui, il reste que demander maintenant le départ du CNRD. C'est tout ce qui reste. Voilà, vous maintenant, qui avez été nommé comme délégation spéciale dans tout le pays, dans tout l'étendue du territoire, délégation spéciale, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Parce qu'il y a des soi-disant, il y a des rumeurs, il y a des pancartes, il y a des, 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 des soutiens, des, des t-shirts qu'on voit. Soi-disant Mamadiou, Merci pour le cœur. Merci beaucoup. Euh, voilà. Djallo Mamadou. Merci beaucoup. Il y a des gens euh, qui, qui, qui commencent à parler que Mamadi Doumbouya va se présenter. Euh, Mamadi Doumbouya ira aux élections. Mamadi Doumbouya ceci. Mamadi Doumbouya cela. Maintenant, on, on a tout compris que. Ils ont. Ils ont dissous tous les maires de la République de Guinée, qui ont été élus par le peuple. Et maintenant, ils ont mis des délégations spéciales, des jeunes, certains lieux, des vieux. Ils ont mis des gens que eux, ils considèrent que c'est des gens qui vont faire tout pour eux. C'est des gens qui seront là pour eux. C'est ce qu'ils ont fait. Je m'adresse à vous. C'est pour cela que je veux que vous la diffusiez, cette vidéo. Je m'adresse. À tous ceux qui sont nommés comme délégation spéciale, ne vous amusez jamais de la vie, jamais de la vie, à soutenir Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente aux élections. Ne vous amusez pas à faire cela. Je vous assure, je vous assure, le jour que Mamadi Doumbouya ouvrira sa bouche pour dire qu'il sera candidat en République de Guinée, vous qui l'avez soutenu, ça veut dire que vous, vous avez brûlé votre propre pays. C'est-à-dire que c'est vous qui avez brûlé votre propre pays. Vous, vous, vous n'êtes pas sans savoir que la personne qui a toujours évité la Guinée, la guerre, c'est celle d'Alen Diallo. Vous n'êtes pas sans savoir cela. Celle d'Alen Diallo, en 2010, tout le monde a dit qu'il a gagné les élections. C'était propre. En 2015, pareil. En 2020, pareil. Il n'a jamais, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour que la Guinée tombe dans la guerre. Jamais. Il a toujours lutté pour ne pas qu'il y ait la guerre civile en Guinée. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui est parti déloger un président de la République, qu'on dit qu'on contestait les résultats. Mais personne n'est parti faire un coup d'État. Personne n'est parti semer la zizanie. Personne ne s'est rébellé en, 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 en envoyant des armes, en introduisant des armes dans le pays. Personne n'a fait cela. On a dit qu'on va manifester, on a dit qu'on va réclamer, on a dit qu'on va dénoncer, mais personne n'est parti déloger Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, lui qui est parti déloger Alpha Condé, soi-disant que les Guinéens en ont en marre l'instrumentalisation de la justice, le piétinement du peuple, la gabégie financière. Les Guinéens ne se regardaient plus. À partir de maintenant, personne ne va mourir pour la politique. Il n'y a pas ce que Mamadi Doumbouya ne nous a pas chanté. Parce que là, je dis maintenant, c'était des chansons. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce qu'il disait n'était pas dans lui. Mais là, maintenant, si c'est Mamadi Doumbouya qui a assassiné, qui a massacré, je ne sais pas combien de gens, on parle de plus de 150 militaires tués. Si c'est Mamadi Doumbouya là, si c'est celui-là et qui nous a dit officiellement qu'il ne fera qu'il ne sera pas candidat ni lui Mamadi Doumbouya ni les membres collaborateurs de la transition ne seront candidats. Ça c'est Mamadi Doumbouya qui l'a dit et ça il l'a répété à plusieurs fois. Il a même insisté dessus que lui c'est un soldat et les soldats doivent respecter leurs paroles. Mes chers compatriotes, vous qui êtes nommés par des décrets sur de Mamadi Doumbouya. Si vous vous amusez à soutenir Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente en République de Guinée, c'est vous qui avez brûlé votre propre pays. Ça je vous le garantis. Si vous soutenez Mamadi Doumbouya pour la propagande qui se dit il n'a pas encore ouvert sa bouche, hein, n'a pas encore ouvert sa bouche pour dire qu'il va se présenter. Là, c'est des rumeurs. Là, c'est des gens qui font la propagande. Ce sont des gens-là que nous, on entend parler, on voit afficher des, 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 des banderoles Mamadi Doumbouya pour la continuité de Mamadi Doumbouya. Mais jusqu'à présent, d'abord, Mamadi Doumbouya n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Son gouvernement n'a pas encore ouvert leur bouche pour parler qu'il va se présenter. Mais je vous assure, sur tout ce qui me coûte cher, je ne suis pas en train de vous menacer. Je me base sur les paroles de Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Le jour, c'est-à-dire, quand il va se prononcer, qu'il va se présenter en République de Guinée, je vous assure, c'est ce jour-là qu'il va savoir que le fétichisme, c'est du faux et du usage de faux. S'il pense qu'il a des féticheurs qui peuvent calmer les Guinéens, qui peut gérer les Guinéens pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée, en ce moment, il va se tromper. Parce que s'il s'amuse à se prononcer, je te dis, lui-même, ce n'est pas lui qui a brûlé la Guinée, ce sont les gens qui l'ont soutenu là, ce sont ces gens-là qui ont brûlé la Guinée. Parce que lui, Mamadi Doumbouya, il a dit qu'il ne va pas se présenter. Ça veut dire que s'il se présente, c'est vous qui l'avez soutenu, c'est vous qui l'avez imposé. Lui, il n'a pas trahi la Guinée alors. Lui, il a dit. Parce qu'on n'a pas encore entendu prononcer qu'il va se présenter. C'est vous qui voulez le soutenir, c'est vous qui parlez d'abord, c'est vous. Mais je vous assure, vous allez le regretter. Si vous pensez que ça va se terminer comme ça. Non, 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 non. non. On vous dit salah kolabitati. Salah kolabitati, c'est fini. Vous pensez que. Vous pensez que tout est permis, quoi. C'est-à-dire, vous allez continuer comme ça à gérer le pays de cette façon, et puis voilà, personne ne pourra rien, quoi. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Je dis bien, vous vous trompez. Parce que cette fois-ci-là, cette fois-ci-là, cette fois-ci-là, je dis, cette fois-ci-là, les élections en Guinée seront organisées, mais pas le CNRD qui va organiser les élections. Vous m'entendez bien Je dis, ce n'est pas le CNRD qui va organiser les élections qui vont se passer en Guinée, qui vont se dérouler en Guinée. Parce que le CNRD a fini ses balles. Il n'y a plus de confiance. Personne n'a confiance au CNRD, c'est fini. Donc le peuple va demander le départ du CNRD. Il n'y a pas d'argent qu'ils peuvent amener pour corrompre les Guinéens pour ne pas qu'ils partent. Ça c'est fini. Si vous voulez, vous allez amener les bateaux, tous les bateaux de Turquie, pour donner de l'électricité, pour donner même les voisins, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, pour les donner même de l'électricité. A plus forte raison les Guinéens. Donnez de l'électricité à tout le monde. Mais vous allez partir. Que personne ne sorte pour être... Pour, 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 acclamer le CNRD parce qu'ils ont, parce qu'ils ont résolu le problème de l'électricité. Quand ils sont arrivés, il y avait, il y avait de l'électricité à Conakry. Il y avait certaines qui disaient, bon voilà, euh, de temps en temps ça coupait, ceci, cela, mais il y avait au moins de l'électricité, euh, à Kaloum. Ça, il y en avait. On, on discutait pas sur ça. On discutait sur certains lieux, mais pas à Kaloum. Pour le cas de Kaloum, c'était résolu. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Après trois ans de transition, c'est lui qui va venir encore nous dire maintenant il va régler le problème de l'électricité. Mon œil. Mon œil, Doumbouya. Doumbouya, mon œil, je dis. Doumbouya, je t'assure. Je t'assure que tu as fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Personne n'a besoin de toi encore le cas de pour le cas de, euh, de Falima, le, où les gars comment dire on m'a amené tellement d'informations tellement la vidéo de euh, Usman euh, gawal qui a, qui a fait une déclaration regardez-moi bien écoutez-moi bien moi c'est les gens qui accompagnent Usman gawal ce sont ces gens là qui me font pitié la jeunesse qui est derrière cette la jeunesse qui est derrière cet escroc là la jeunesse qui est derrière de, cette, de, 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 de ce trahisseur-là. Parce que celui-là, il n'aime pas la Guinée. Il n'aime pas. C'est-à-dire, même sa propre famille, il n'aime pas. Lui, c'est quelqu'un vraiment à qui personne ne devrait suivre. C'est pour cela, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire pour lui. Lui, on l'attend ici à Paris. Il n'a qu'à venir ici nous parler de, 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 de parti politique Il n'a qu'à venir à Paris. Mobiliser ici des gens, parler de parti pour moi, c'est là-bas que j'attends Ousou Falima. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut là-bas. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Parce que moi, je sais que c'est Mamadi Doumbouya qui l'a mis ici. Si Mamadi Doumbouya, eh, si Doumbouya n'est plus là-bas, Ousou Falima, il est qui Si Mamadi Doumbouya n'est plus président de la transition, Ousou Falima, il est qui Donc, c'est pour cela, moi, il ne me fait pas problème. Moi, c'est quand il va venir ici, le temps que le Doumbouya quitte au pouvoir. Si Falima vient ici à Paris, c'est là il va me connaître, c'est là qu'il va nous connaître maintenant. La, la, la dernière fois qu'on s'est vu, ça c'est autre chose. Ça c'était pour savoir qu'est-ce que tu voulais. Et en même temps, je t'ai dit les vérités. Maintenant, si tu veux, si tu crois maintenant que toi, Gawal, tu es vraiment, tu es vraiment quelqu'un, tu es un ministre, viens ici, nous parler de parti politique. Moi, je vais te démontrer, c'est nous qui te payons. Devant tous les Français ici. Je vais te démontrer, c'est nous qui te payons. Ça, c'est moi qui te le dis. Et maintenant, vous, la jeunesse, vous, à qui il a, il a réussi à manipuler, retirez-vous. Retirez-vous, il ne peut rien faire. Soi-disant, il va aller au Congrès, il va, il va être candidat. C'est du mensonge, il ne peut pas. Celui qui ira au congrès là-bas au nom de ce, folie, de ce faliment, je vous assure, il va le regretter. Il ne va plus le raconter à, 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 à quelqu'un. Le jour du congrès, s'il y a quelqu'un qui vient là-bas au nom de ce il va le regretter. C'est pour cela que je vous dis, retirez-vous. Laissez-le lui. Parce que ce qu'il dit là, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Il ne fait que mentir. Lui-même, il sait qu'il est devenu ministre. Personne ne le considère. C'est l'argent qu'il prend pour donner les gens pour qu'on lui regarde. Personne ne le considère. Même à ceux qu'il aide, les gens -là ne le considèrent pas. Parce qu'ils savent que c'est un manipulateur. C'est un voleur. C'est un menteur. Ousufalima, c'est un menteur. Mais tout le monde le sait. Moi, je vous dis, vous, 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 la jeunesse à qui il a réussi à manipuler, retirez-vous. Arrêtez de le suivre. Parce qu'il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire pour vous. Parce qu'il est là en tant que Mamadi est là. Et Mamadi, il va partir. Mamadi Doumbouya, c'est fini. Les carottes sont cuites pour lui. C'est fini. Je vais ajouter le jour que vous allez vous amuser jusqu'à toucher celui d'Alain Diallo. Voilà, ce jour-là, vous allez comprendre. Attendez que celui d'Alain revienne en Guinée et que le CNRD... Si d'ici là ils ne sont pas partis, si le CNRD tous c'est l'outal Indiallo, voilà là on allait, c'est jusqu'à c'est jusqu'à là, c'est jusqu'à là qu'on va parler peut être le nom de la Guinée, c'est fini. Je vous assure que ce sera la dernière des choses, parce que tout ce qu'on avait préservé, tout ce qu'on avait préservé pour la paix, c'est en ce moment maintenant qu'on va tout détruire ça, il n'y a pas de cache-cache dedans. Même devant le juge, je le répéterai ainsi, ils ne peuvent pas accuser ces loups des mensonges. Tout le monde sait que R-Guinée, ce n'est pas celui qui a vendu. Tout le monde sait que ce n'est pas celui qui a fait le décret. Tout le monde sait que ce n'est pas celui qui a pris l'argent. C'est de, de la manipulation, c'est de la démagogie, c'est du mensonge, c'est tout simplement pour l'empêcher. Tout le monde le sait. Mais, tandis qu'on sait que vous, le CNRD, la fois dernière, quand ils ont dissous les, les, les ministères, les, les ministres, le gouvernement, mais combien ils ont trouvé dans le bureau de, 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 de Morikonde 3 millions d'euros Ils ont trouvé 3 millions d'euros dans le bureau de Morikonde. Où est Morikonde Il a été nommé encore ministre. De l'habitat. Donc, vous pensez que les Guinéens sont fous? Vous pensez que nous, on va vous laisser tous ces d'Alen Diallo Vous pensez que nous, on va vous laisser tous ces d'Alen d'Alendiallo? Je vous assure, celle a toujours préservé la paix en Guinée. Selou n'a jamais accepté que la Guinée soit brûlé. Il a défendu pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée. Mais si vous pensez que c'est loup, c'est un peureux, peu vous vous trompez. Vous avez démoli sa maison, il a dit à tous ses militants, que personne ne vient pour défendre cela. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un meure à cause de sa maison. Il a préservé pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée. Il a tout fait, mais amusez-vous, amusez-vous le jour qu'il va rentrer. Quand il va rentrer, amusez-vous. Vous allez vous tromper jusqu'à tous ces cellules. Je vous assure que ce sera la dernière des choses que vous allez faire dans votre vie, en tant que gouverneur ou en tant que euh, administrateur ou en tant que euh, médiateur ou en tant que transiteur ce sera la dernière des choses je vous assure que ce sera la dernière des choses je vous assure mi daina ta'um nyande au gouvernement cnr de do hala selu arto hala hala selu arto tawti be don et tayala ko nangou selu wallahi be wattata

parce que même même fait à l'état, même mais wawatata adju de CNR de organiser élection on ne peut pas accepter ça quand nous mange attanta est-ce que be hollié faire organiser de transition mais fala organiser de élection qu'on nous long attanté c'est fini c'est fini les carottes sont cuites l'année c'est fini euh, voilà je ne voulais pas trop abuser de votre temps euh, je voulais vraiment m'expliquer pour dire aux gens que le CNRD, il n'y a plus de soutien. Toutes les délégations spéciales de la République de Guinée, ne vous amusez pas à soutenir le CNRD, à soutenir Mamadi Doumbouya pour qu'il se présente aux élections. À aucun membre du gouvernement ne vous amusez pas, parce que cela veut dire brûler son pays.